Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Excel euh, a mis en place une nouveauté euh, qui est la fonction filtre. Euh, donc cette fonction euh, est bien sûr disponible euh, dans la version, depuis la version Excel 2016 et Office 365. Alors, bien sûr, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à faire régulièrement des mises à jour de votre pack office. En effet, cette fonction, au même titre que certaines autres nouveautés d'Excel, ces fonctions seront déployées au fil du temps. Alors, la fonction filtre permet de filtrer une plage de données en fonction de critères que vous définissez. Alors, afin de mieux comprendre cette fonction, nous allons prendre un exemple. Alors, bien sûr, Excel nous propose déjà un système de filtre dans l'onglet données. Eh, qui est ici. Euh, il suffit de mettre dans une cellule euh, de, de la plage de données euh, et cliquer sur filtre. Par exemple, là, si je me mets sur n'importe quelle cellule, il suffit de cliquer sur filtre. Et ici, vous avez des petites toupies. Alors, selon la nature de la colonne, je pourrais filtrer. Euh, soit je fais un filtrage chronologique. Si bien sûr, j'ai une colonne date, par exemple, là, si je souhaite ne pas avoir le 1er octobre, il suffit de cliquer euh, sur OK. Et là, le 1er octobre. N'apparaît plus. Premier sur enlever le filtre, je vais effacer le filtre. Là par exemple, euh, j'ai euh, une colonne euh, me récapitulant euh, toutes mes, euh, euh, tout, tous mes articles. Si je ne souhaite avoir que les chaussettes de taille 2, il suffit de cocher chaussettes de taille 2, je clique sur OK et le filtrage se fait aussi automatiquement. Alors je vais effacer le filtre. Bien sûr, nous pouvons aller plus loin par le biais des filtres avancés. Mais j'ai déjà euh, consacré un tutoriel sur ce sujet. Alors moi je vais aller un petit peu plus loin. En effet je vais vous montrer que nous pouvons faire mieux avec la fonction filtre sans passer par des macros ou de la programmation. Je rappelle que cette fonction est une nouveauté Excel. Alors toujours avec la même matrice, je souhaiterais filtrer euh, des données selon la référence article. Pour cela, je vais m'aider d'une liste déroulante. Je vais donc créer cette liste déroulante comme dans l'une de mes vidéos précédentes à l'aide des fonctions tri et unique. Cela me permettra d'une part de supprimer les doublons et de faire un tri par ordre chronologique de mes références. Commençons. Donc là, je vais mettre un titre quand même, donc TRI tri plutôt et et unique. et unique. Ce sont les deux fonctions qui vont me servir à trier mes références et à supprimer des doublons. Donc je vais commencer par TRI, la fonction TRI, et je vais mettre la fonction unique. Je vais sélectionner mes références, je ferme les deux fonctions. Et là, euh, c'est dynamique. Hein. Donc je vous rappelle que j'ai déjà consacré une vidéo sur ces deux fonctions. Euh, je vous mettrai, si vous voulez, dans la description euh, le lien qui pourra vous permettre de visualiser euh, cette euh, vidéo, le cas échéant. Maintenant, je vais créer ma liste déroulante. Je vais par exemple la mettre, je ne sais pas moi, ici. Je vais mettre une petite couleur afin de mieux la visualiser. Donc ici, je vais aller dans données. Donc dans L'outil euh, de données, le groupe outils de données, je vais sélectionner validation de données. Et ici, je vais prendre liste. à partir d'ici, dans source, je vais sélectionner une seule euh, référence, euh, la première, et je vais mettre aussi un dièse, afin que toutes les références soient, euh, soient récupérées. Je clique sur OK, et ma liste déroulante a été établie. Ça s'arrête à l'article 10. Alors dans le cas où je souhaite faire évoluer ma liste déroulante, je vais devoir transformer ma plage de données en tableau Excel. Alors pour ce faire, je vais aller dans Accueil, ici dans le groupe Style, choisir n'importe quelle forme. Mon tableau comporte des entêtes, en effet, donc je laisse cocher. Okay. Et ici, par exemple, je vais rajouter une, une nouvelle référence, un nouvel article, donc 15-10, pourquoi pas Pierre. Ici, je vais prendre l'article 01, c'est un article qui n'existe pas, et comme nous pouvons le voir, l'article 11 s'est déjà euh, incrémenté euh, dans ce tableau. Et si je vérifie ma liste déroulante, l'article 11 apparaît. Donc, cette liste déroulante est dynamique à l'aide de la fonction tri et unique. Je vais à présent construire euh, notre petit tableau. Hein, euh, donc, je vais prendre par exemple les titres, copier. CTRL-C, CTRL-V, coller. Voilà. Et à l'aide de cette liste déroulante, via les références, je vais récupérer les données se trouvant dans cette matrice. Je vais à présent me servir de la fonction filtre afin de garnir euh, ce tableau euh, par rapport à euh, l'article que j'aurai choisi via ma liste déroulante. Donc je vais prendre par exemple l'article 10. Voilà, ici je vais donc mettre euh, en pratique cette fonction, donc filtre. Donc je tape filtre, je choisis cette, euh, cette fonction. Là, Excel me demande le tableau. Ben, le tableau c'est ni plus loin que cette matrice. Point virgule, je dois inclure les références, et cette référence, ces références, dépendront de ma liste déroulante. Je ferme ma fonction, je fais entrer et là. Comme vous pouvez le constater, toutes les euh, lignes liées à cette référence article 10 ont été rapatriées. Alors bien sûr, j'ai des chiffres incohérents dans la mesure où là, je vais devoir changer la, les dates de commande. Je vais aller donc aller dans accueil et ici, je vais mettre date courte. Ce qui est fait afin de récupérer le format date. Alors là, par exemple, si je choisis, euh, je ne sais pas moi, euh, 6, l'article 6 l'article 6 si je fais un filtre ici l'article 6 me ramène bien donc euh, juste pour vérification me ramène bien une ligne donc je vais effacer ce filtre voilà donc euh, reconnaissez que euh, cette possibilité euh, avec la fonction filtre elle est beaucoup plus puissante que les filtres que nous connaissons actuellement en l'occurrence euh, via l'onglet données, filtres, voire même filtres avancés. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.